Allô? Oui, tu es où? Je suis toujours au niveau du conteneur, je te vois pas. Tu étais censé m'attendre ici, non? Au bar d'à côté. Non, mais tu as vu le bar où tu m'envoies? On invite les filles dans les grands snacks et toi tu m'envoies dans un taudis. Tu as 2 minutes pour me retrouver ici. C'est ici que tous les chats qui attendent en tant que les gars viennent les chuter. Tu t'assois par là-bas. Tu as mangé un chat, tu es pas mal. Donc, si tu as quelque part de bon, tu sais quoi? Je vais prendre une chine. Ok, merde. Vraiment, pas qui domine dans les enfants d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Hein? Regarde un jeune garçon à son jeune âge. Anga Kouniaba, il va au bar. Avec la coiffure qu'il a fait sur la tête, c'est la coiffure du corps. Fiston, tu parles de quoi, quand Wakazu Kouloden? C'est pas normal. Hein? Et puis tu es là, tu parles. Je sais pas. Maman, quand tu te regardes, toi tu as vu. Donc les habits qu'on vend au marché, là, ce que tu as vu pour choisir là-bas, c'est ce que toi tu as mis sur toi. Quand les gars vous appellent et singa le chat, et singa mbim, le chat mort, vous allez dire que wow, les gars sont en ceci. Quand toi-même tu t'habilles, bon, de toi à moi, ou à tourner au look. Moi, à l'époque, on cherchait les mamans Makrita. C'était le travail. On travaillait pour avoir une femme. Hein? On travaillait. Vous, c'est tellement facile parce que quand on vous a vu, il n'y a plus le secret. Bien, mais c'est bien à découvrir. Toi, dehors, le secret là. Il y a encore quoi à découvrir. Hein? Et regarde que le locataire. Parlez là, donc, ça veut dire que comme tu reçois les chats ici, moi, les chats, moi, je suis quoi? Je suis un chaton, je suis un lion. Bah, le père, ça va que tu fais ça, tu vas voir tout. C'est quoi, bois ton tacage, non? Mais ferme ça là-bas. Regarde-moi un malabar comme ça, Niam, quoi, bah. Qu'est-ce pour répondre, hein? Qu'est-ce pour les politesses? Tu parles normalement, mais qu'est-ce pour prévoir? Ah! Ok. Et Zoulou, il boit l'alcool à son génère. Tu vois, à 16 ans. Quand tu m'as 17 ans. Quand c'est toi qui m'as accouché. Regarde-moi la coiffure sur la tête. Donne. Tu as coiffé aussi. Et meuf, quand il faut être un police, c'est là où tu parles normalement. Quand il faut prendre les commandes, on est la bouche, ça cale. Regarde l'autre. Tu parles au marché, tu cherches les habits, c'est seulement ça que tu as vu. Donc, de tous les habits qu'il y avait là-bas, c'est ça. Ma chérie, ne coupe pas, son dingue, son métier là-bas. Si vous devez là vous faire l'enfant, il sera un lecteur comme ça. Et Wilner, comment lecteur, C'est son métier, son travail, c'est parler au quartier. Tous les métiers qu'il a couvert, c'est l'autre là. Comme tu vois sa chemise qui danse lui là. Ferme ça là-bas, mon dernier enfant à ton âge, à Belou Kaloué. Regarde-moi le côté. Ma chérie, faut t'habiller, c'est pas comme ça. Moi, à l'époque, les femmes étaient classiques. Elles s'habillaient normalement. Hein? Regardez comment je suis habillée. Moi, papa, t'en as tout ma. Je passais comme ça là. Et j'ai vu ta voiture sale. J'ai dit non. Dans un quartier qui se respecte comme le nôtre, le boss ne peut pas avoir sa voiture sale. Non, moi. Non, écoute le boss. Moi, mon credo, c'est le travail, c'est la base de la marque de vêtements civils. Donc, dès que je vois le travail quelque part, je travaille d'abord. Je lave. Les voitures ne doivent pas être sales dans un quartier comme celui-ci quand je suis là. C'est-à-dire que le quartier, s'il n'y a que les téméraires, parce qu'il n'y a pas de solo. C'est-à-dire que celui-là, on a demandé qu'il parte à l'école. Voilà son travail, laver les voitures des gens à l'improviste. Tu gardes ta voiture, il est encore lavé. Et sur l'eau. Quand on t'envoie à l'école, tu ne voulais pas partir. Maintenant, tu es devenu le DJ des poches des gens. Vraiment. Ça, c'est quelle jeunesse, même. Et c'est quelle jeunesse. La boue du père, c'est fermé même souvent. Tu sais que tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu as un souci, tu sais que je peux t'appeler, tu fais n'importe quel travaux. Ça va, tu n'as pas besoin de faire ça. Okay? Non, boss, moi c'est mon travail, non, ça ne me gêne non, pas. Non. Hein? Ça va, tu n'as pas besoin de faire ça, ok? Bon. Non, moi je lave les voitures. Je lave les voitures. Tu prends, tu vas gérer tes fêtes avec, ok? Beaucoup d'argent! Fiston! Je vais gérer mes fêtes comme il se doit, les fêtes de Noël. Yo, viens un peu, mon fils, viens. Hein? Reviens mon fils. J'ai trouvé dans ce quartier que tu es un petit garçon valable. Tu fais l'espoir de ce quartier. La jeunesse doit prendre exemple sur toi. Je disais tantôt à papa.
Bon, fiston, yo. Bonjour, mon père. Bonjour, fiston. Mmh. Quand tu as l'argent comme ça, fiston, imbécile. Donc, si tu commences à avoir pas me donner un casier de bière. Le père, il va commencer à t'embrouiller. Sébastien avait commencé à donner l'argent là-bas. Depuis le matin, il a 6h, c'est la cage. Il peut te conseiller en quoi? Gagne, tu vas nous fermer la bouche. Son conseil, c'est la cage. Son dernier conseil, c'est la cage. Non, c'est pas la peine. Mon père, si tu as un travail à me donner, tu me donnes. Voilà. Mais l'argent, sinon, oui. C'est pour les fêtes de mes enfants. Tu connais? Toi, non? Il va t'embrouiller. Oui, tiens. Ce qu'on va faire, c'est. Mon père, si tu as un travail, tu m'appelles. Le travail commence d'abord par déposer une bouteille de bière. Non! Hey! Papa! Maman! Maman! Bonjour! Maman, je t'avais même pas remarqué! Regarde, voilà ta vie! Attends, je vais te faire quelque chose! Le père, ça, tu peux faire quelque chose! Regarde-moi le petit comme ça! Et sur l'eau! Tu vois, tu es belle! Tu es d'une beauté! Qui flatte. J'étais vu là-bas et puis tu es venu passer comme ça et puis tu m'as traversé. Comment ça va? Ça va. Tu vois, tu es le genre de fille que quand on te voit, on a envie de dépenser. C'est toi le genre de fille qu'on a envie d'amener au grand mall. Au grand mall. Non, pas au grand mall. Le grand mall est grand, mais c'est mall. Bon, on va aller où il n'y a pas qui. Bon, il n'y a pas qui, grand mall. Tu mérites qu'on t'amène dans le meilleur coin. Mais si il n'y a pas qui, moi je t'amène. Il faut juste que tu m'accordes ton suffrage. Oh, maman, tu es. Non, tu es belle. Regarde-moi, on est sur l'eau comme ça. Quand tu vas voir de la. Voilà, la fille là, tu veux aussi l'absorber. Quel que soit l'endroit, quel que soit l'endroit du monde où tu veux aller. Moi, je veux l'absorber. Moi, je vais t'amener où tu veux. Quand tu apparais, tu me dises oui. Quand tu sois avec moi. Tu mérites qu'on t'amène. Attends, elle était dit que quoi? Non, je peux l'amener où je veux, je l'invite. Fais le camp, tu es trop bête. Elle est là, elle attend un gars. Comme ça, voilà. C'est un gros chat tigre avec carré pote. Elle a cette vie. Tu n'as pas ta vie. Comme elle est placée là, elle attend un gars. Toi, elle va te parler que tu l'écoutes. Elle a seulement l'argent. Tu me connais où? C'est parce que. Donc voilà, tu fais d'abord quoi ici? Elle est assise là en repérage. Quand tu as vu le beau salut là-bas, non? C'est pour ça que c'est levé, elle est brûlée, c'est fait ça. C'est pas vrai, il te manque. Donc, comme tu as vu descendre, voilà. Dès qu'on va payer l'argent qu'elle lavait les voitures, oui. Même l'argent des voitures, vous voulez manger, c'est qu'elle fait les filles, vous n'avez plus ça. De cœur. Madoudou, ce n'est pas grave, viens, c'est pas vrai, il te manque. Viens, c'est moi, Souga Diadi. Laisse-moi, c'est quoi ta vie? En décembre, tu veux manger mon argent? Attends-moi en janvier, madame. Voilà. On ne mange pas l'argent de la légende en décembre. Dis-lui ça. J'avais même perdu la tête. Toi, tu es un homme. Regarde. Oh, j'arrive pas en décembre. C'est l'argent, ce que tu veux. Voilà. Viens chercher ça dans mes fesses maintenant. Même. Il y a beaucoup. Même Kobo. Voilà. Va la boîte à soi. Elle est dans son appareil. J'avais même perdu la tête. Elle attend un gars. J'ai dit qu'elle attend un gars. Non, t'as dit à chantier. Ah, pas là-bas. Tu as vu le gars que tu vas approcher pour tes fêtes de Noël. Laisse-la. Laisse-la. En décembre. Toute ta vie. Ne donne pas. Gars, c'est pour ça que tu viens de me sauver. On appelle ça assistance, c'est une personne en danger. En danger. Voilà. Elle allait je voulais même l'amener au grand mall. Elle a dit le yapaki. Le yapaki de quoi? Tu mérites quoi? Laisse le grand mall. Je lave les voitures pour ça. Le travail, c'est la base. Le grand mall, c'est mal grand, mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Maman, oh pas. Les bisous, loup. Regarde, comme là, non, tu peux me donner. Comme était sauvé. Et t'es dans où, rien dedans? Oui, comme il était sauvé, non, elle devait prendre tout. Moi, laisse-moi un peu. Tu me donnes un 10 000, tu vas faire. Tu vois comment. Non, attends, mais soyons sérieux. C'est donc, dans une vie, oublions le fait que le pays dérange comme ça en train de déranger là. Une fille qui a la calibre, c'est-à-dire la catégorie de fesses qu'elle a là, elle vient, je ne lui donne pas mon argent qu'elle avait les voitures. Je te donne à toi. Et moi, je te donne. Mais elle devait. Je ne donne pas. Maman, viens en pas. Lève sur l'eau. Toto, si laisse-moi. Ne donne pas. Viens en pas, elle va te gérer. Moi, je suis ton Souga Diadi. Là, vous ne travaillez pas, vous passez votre vie du genre, vous allez apacher. Donc, tu croyais que comme tu es venu gâter son modèle, il allait te donner à toi, regarde-toi. Mieux encore, le. Ça va, laisser, mais elle prenait tout. Là, tu vas voir le corps, elle a failli t'absorber le tout ici. Là, tu vas voir des fois, va dans le foyer. On te donne un petit 25, mais tout le pays va être au courant. Avant ça. C'est parce que j'ai les crédits chez toi, comme tu as mon chapeau. Avant ça.
Depuis que tu es maman au quartier, c'est parce que. Avance avec ton faux. Je ne donne pas. Mes fêtes seront à l'aise. Viens laver les voitures, pian. Avec 25 000, tes fêtes seront à l'aise. Toi et la fille là, non, vous êtes les complices, la même race. Allez là-bas, vous n'aurez rien de ce. Mon fils, mon fils, le bien. Voici mon agent à mes fêtes. Voici ça. Donc, il a la chance qu'il ait mal au bras. C'est qu'il a allumé. Toi, le petit garçon, si tu es comme un sorcier, quand je fais mes choses dans ce bouquin, tu ne mets plus jamais ta bouche. Cas, tu es là pour qu'il n'a même pas l'argent. Et pour le cas, moi, il n'avait pas l'argent. Il avait l'argent. Quel argent? Toi, tu es comme un malabar. Regarde-moi le côté. C'est là aussi bien. C'est là aussi le chat. Et sur l'eau. Mais dans mes choses. Vous devez vous élever sur l'eau. Vous devez vous élever sur l'eau. Regarde comment vous êtes. Regarde comment vous êtes. Le côté. Pardon, demande-moi là. Où est ton téléphone d'abord? Tiens mon téléphone. C'est où? Demande-moi là. Ma bière d'abord. Demande-moi là. J'ai fait mes choses, tu m'envoies ta foule dans le quartier, tu vois ce qu'il va te faire. Demande-moi là, elle m'a bien. Tu vas payer ça toi-même, alors maintenant. Voilà, bagage, c'est un petit 25 000 que le cognac a reçu. Mais là, il paye. Solo, Mais meuf! Père, voilà, bossy. Mais pas fou le camp! Voilà, quand tu dis que tu as. Je vois, il ne paye même pas ça. Vous êtes sur mon terrain ici, là, c'est mon terrain. Tu ne payes pas. Je ne paye pas, je pars. Tu vois ce qu'on le catch. Tu vois le catch. Tu vois me bonder. Tu connais là. Regarde ta coiffure, la pète. Je vais se m'appuyer dans le cou. Appuie mon cou, tu vas faire mon père. Dois-moi là, le père. Arrête-moi. Je n'ai pas l'argent. Je ne paye pas. Je n'ai pas. Fais de moi ce que tu veux. Prends-moi cadeau. Le père, dois-moi là. Je ne dois ma belle qui. Laisse d'abord ça. Tiens, pas. Le père, dans mon argent. Tu me coupes le derrière. Dans mon argent. Tu me coupes le derrière. Dans mon argent. Je ne dois pas. Laisse-moi on m'agresse, au secours. Oui, c'est bon. Papa, moi quand je suis comme tu me vois, un sougadad, t'arrêtes. Ça, c'est la question de ce débat. Ils sont sougadad. Un côté, c'est l'équivalent, c'est le cacle des barons. Donc, un côté, cacle des barons, c'est économique, consommant bio, consommant camerounais. La Kaji, le champagne du pays. Ouais, ça c'est le champagne. Voilà l'oncle là-bas, quand il faut parler les poches, la bouche ne parle pas. Mais moi, Sugadad, attends, Thomas, ça c'est mon dossier. Un côté, c'est 4 biberons, c'est économique, consommant bio. Il n'y a que 4 biberons. Il y a une question, on est là au travail, nous sommes à Douala, préparez-vous, des choses arrivent. Ça c'est mon petit, on dit Ekwa. Ekwa Gamer. Ekwa Gamer. Yes. Ça va chauffer très fort, donc on dit qu'il y a une question. Yeah, okay.